Justification de l'unité didactique, donc cinq points principaux. Aborder le sujet des médias a plusieurs avantages très forts. Nous avons un accès à une très grande quantité d'articles et d'infos authentiques de différents pays de culture francophone autour du monde, dans une industrie qui est en train de s'adapter rapidement au nouveau monde numérique. Donc il y a une abondance de documents et de vidéos authentiques. Vraiment, on a beaucoup, beaucoup de choix sur Internet, beaucoup de possibilités, beaucoup de thématiques, beaucoup de thèmes sociaux et culturels. Ça nous donne beaucoup d'options. Les médias sont un sujet avec un très grand volume de matériel que nous pouvons utiliser et tout authentique et qui se renouvelle tout le temps avec des thèmes d'actualité. Voilà, on s'aperçoit rapidement que c'est un des meilleurs sujets que nous pouvons choisir par rapport à l'opportunité que ça nous apporte pour intégrer tous les compétences clés. Alors voilà, on a parlé de accès culturel extensif. Numérisation de l'industrie, on utilise chaque fois moins de papier et les infos se font de plus en plus en vidéo, même vidéo très court sur Facebook et les réseaux sociaux. Peut-être que je devrais expliquer ce point-là, que ça nous offre une excellente chance de travailler toutes les compétences clés. Des fois, en langue étrangère, c'est difficile de travailler toutes les compétences. Il y a quelques compétences très fortement représentées dans toutes les unités, mais celle-là nous a permis de vraiment travailler toutes les compétences, puisque parmi les compétences moins bien représentées dans la programmation, par exemple, compétences mathématiques scientifiques, excuse-moi, là nous avons accès à des articles qui incorporent des numéros par rapport à l'économie, finance, statistiques, des thèmes scientifiques aussi. Alors on peut incorporer ce thème-là, on peut incorporer la culture, des thèmes sociaux, l'intérêt socio-civique. Alors vraiment, c'est un environnement très riche par rapport aux compétences. Après, ce qui pourrait être difficile dans cette thématique, ce serait peut-être la compétence de l'initiative et d'être entreprenant, mais avec la génération d'idées. Enfin, j'ai pu avoir une idée que je pense était assez intéressante pour un projet, je vais dire, projet actionnel, de méthodologie actionnelle, qui est assez intéressante pour faire un projet qui a intégré toutes les connaissances que nous avons apprises au cours de cette unité. Voilà, dans ce projet-là, nous intégrons aussi la compétence de l'initiative et d'être entreprenant. Donc vraiment, on a pu tout représenter. Je vais montrer ça ici avec la table. En général, on essaye de faire ce qu'on peut, mais y en a quand même des compétences qui sont moins bien représentées. Mais on peut voir que vraiment, j'ai vraiment pensé que c'était un des unités qui a vraiment pu intégrer toutes les compétences.